Bonjour, je m'appelle Josée Castonguay, je suis orthophoniste au programme Parle-moi du district scolaire francophone Nord-Est. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur le développement du langage du bébé à travers les livres. Afin que le bébé développe son langage, il doit entendre les mots souvent. Pour entendre les mots souvent, vous devez lui parler dans différentes situations, comme dans des activités de tous les jours, en jouant, en chantant et en regardant des livres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des petits trucs pour aider votre enfant à développer son langage à travers les livres. Un premier truc, c'est de rendre les livres amusants. Donc par exemple, on peut prendre un livre et jouer à coucou. Donc on se cache et on fait des coucous. On peut aussi tracer un petit chemin avec des livres, puis jouer aux petites autos. Donc en passant sur les livres, l'enfant va s'y intéresser. On peut aussi rouler une balle sur les livres et parler des livres en même temps. Un autre petit truc, c'est d'être un bon modèle pour notre enfant. Donc, si on lit devant lui, que ce soit des revues, des livres de recettes, des journaux, ça va lui donner un modèle pour pouvoir faire de même par la suite. Un autre petit truc, c'est de regarder des livres avec lui tous les jours, que ce soit pendant une routine comme la routine du coucher ou à tout autre moment de la journée. Donc, quand on regarde des livres avec notre enfant, on va nommer ce qu'on voit et aussi pointer pour attirer l'attention de l'enfant sur certaines images. On va aussi lui parler de ce que lui, il pointe. Donc, une poire! Une souris. Donc, on va nommer les choses. On peut changer notre voix selon les personnages. On peut faire le bruit des animaux. C'est comme ça que l'enfant va apprendre le langage. Ensuite, un autre petit truc, c'est de créer des albums avec notre enfant ou de lui présenter des albums qu'on a déjà. Parce qu'un album photo, c'est aussi une forme de livre. Donc, à l'intérieur, on peut avoir des photos de lui, de ses frères, sœurs, de son animal préféré. Donc, ça va attirer son attention sur les images, vous pourrez en parler, puis ça va lui montrer aussi comment on tourne les pages, comment on utilise un livre. Un autre petit truc, c'est en fait de laisser notre enfant manipuler les livres, de le laisser toucher les livres, les mettre dans sa bouche comme il ferait avec un autre jouet. Donc, pour ce faire, il faut avoir des livres qu'il peut toucher, qui sont résistants, comme des livres de bain en plastique, des livres en tissu ou bien des livres cartonnés. Donc, je vous présente un livre coup de cœur. Ce sont les livres de la collection Kididoc, publiés chez Nathan. Donc, ce sont des livres où on peut vraiment faire des petites actions, puis les enfants aiment beaucoup ça. Donc, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir avec les livres et à une prochaine fois.